gars, c'est Giovanni AMS et aujourd'hui je vous présente le Little Legend 20. Le Little Legend 20, c'est le son Plexi revisité par AMS. On a ici un ampli 20 watts, s'inspirant des sons mythiques anglais des années 60 et 70. L'ampli est monté avec deux EL84 en puissance et trois sixaines de P en préamplification. Pour rappel, la sixaine de P est une équivalente à la 12AX7. On le teste aujourd'hui avec son câble 1x12 Oval Back monté en Celestion Vintage 30. Niveau contrôle, on a deux gains, un gain normal et un gain bright, un bright switch, un fat switch, une EQ complète, un master, une présence et un low punch. L'ampli est aussi équipé d'une boucle d'effet à l'arrière. Pour plus d'infos, je vous mettrai le lien vers notre site dans la description de cette vidéo. On va s'intéresser dans un premier temps au réglage de gain de l'ampli. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a deux gains, un gain normal et un gain bright. Le gain normal agit sur les basses et les bas médiums et le gain bright agit sur les hauts médiums et les aigus. Associé au fat switch, on va pouvoir ajuster l'overdrive de l'ampli en fonction du style recherché et de la guitare que l'on joue. Pour ce test, le bright switch sera en position plus et je jouerai la Gibson. C'est parti. La touche AMS sur cet ampli, c'est le réglage de low punch. Le low punch va permettre de rajouter des bas et d'épaissir le son général de l'ampli. Sur des riffs avec des notes détachées, c'est mortel. On teste ça tout de suite. Thank you.
Le Little et John 20 est une véritable petite bombe. C'est une machine à rock très polyvalente grâce à ses réglages. De plus, on a une très grande réserve de master, ce qui lui permet d'être à l'aise aussi bien à la maison que sur scène. Personnellement, j'adore cet ampli car il a une identité bien affirmée et il est super fun à jouer. On va se quitter sur un dernier test. Je vais jouer l'ampli sur une boucle et je vais utiliser la Singer Overdrive pour booster le son pour les solos. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !